Quand tu peux changer ta position. Non mais les ennemis ils attaquent direct. Pas le temps. J'ai pas le temps et mon esprit est ailleurs. Genre imaginons là c'était une attaque surprise. Là mes persos se seraient retournés et là les ennemis ils auraient enchaîné. Et c'est après quand c'est mon tour que je peux changer. Juste après qu'ils aient joué. Bah pourquoi? Ils font encore des dommages supplémentaires après l'attaque surprise. Je pensais que c'était que le premier tour, ils avaient un petit avantage de dégâts. Bah c'est débile, je les vois, ils ont plus d'avantages à avoir. Bah la bite. Ingus a progressé. Griffe de tigre, yes, super. C'est à cause de la position inversée. Parce que les persos sont pas assez intelligents pour se retourner et se mettre dans la bonne position. Damn. D'accord. D'où le fait que des fois ils étaient mal placés. Putain, il faut le deviner ça. Hein. Sont forts Square Enix. Bah à l'époque de FF3 c'était Squaresoft juste, mais après ils auraient pu le corriger dans le remake. Un peu idiot. Par contre au vu de la difficulté des mobs, je te conseille de commencer à employer les magies, surtout s'il n'y a pas de boss ici. Surtout qu'il n'y a pas de boss ici. Bah en soi, c'est comme si j'utilisais de la magie. Tu vois, par exemple, Maurice, c'est mon seul moyen d'attaquer. Puis, vu les dégâts que ça fait avec les dégâts électriques. Ça, en tous les FF. Non. C'est faux. En plus peut-être utiliser sur tous les monstres. Certes, mais tu vois, si je le lance, je vais lancer quoi? Foudre plus? 8 fois? 8 combats? Par un peu les jeux. Pour l'instant, j'ai pas un niveau de job qui me permet de faire ça quoi. J'en ai marre qu'il tape Maurice par contre. Ça devient assez énervant. Chakram. Qu'est-ce que le chakram? C'est un boomerang, yes. Regarde. Franchement, ça passe. Poète, 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 poète. Carapace tortue. Qu'est-ce donc? Lance un sort magique de protection. Ah yes. Gauche, droite, droite. Ce petit chemin. C'est la bonne route. Yeah. Fuck. Attaque anticipée. Ah. T'as des nouvelles de Samu.
Écoute, depuis qu'ils ont sauvé le monde, ils sirotent des choses. Hein. Ils sirotent des cocktails sur la plage. Il y a des coffres partout. Ouais, mais est-ce qu'il y a des coffres intéressants? C'est ça la vraie question. Parce que le chakram, je t'avoue que... m'en fous. Les griffes... m'en fous. Tu peux toujours revendre. Et ça, c'est bien vrai. Et c'est très certainement comme ça que ça va finir. Mais je préfère avoir du bon stuff. Parce que le problème, c'est que les boutiques ne me donnent plus rien. Enfin, rien de neuf, on va dire. Et j'ai déjà plein de money. Ah là, j'ai limite envie. Double Tomahawk. Attendez, double Tomahawk, c'est des haches, ça. Alors, je vais pas faire tout de suite ce que j'ai envie, mais on y pense. On y pense fortement. Vous verrez plus tard. Je peux obtenir des trucs pétés à la fin du jeu qui coûtent très cher. C'est ça qu'on veut. Tellement de monnaie que tu peux convertir tout en un bitcoin. Pouette. Lunes. Refia. D'ailleurs, où en sommes-nous au niveau des jobs? Niveau 29, donc prochain niveau, celui d'après, ça sera des compétences, enfin des trucs en plus, des stats en plus. Maurice niveau 42. Refia niveau 39, donc dans un ou deux niveaux pareil. Et Ingus 18, donc dans deux ou trois niveaux. Je sais jamais si c'est niveau la dizaine fixe ou dizaine plus 1. Alors là, par exemple, on a vu que eux, ils sont 3. C'est chiant quand il y a 3 ennemis. Donc là, on va faire poudre plus. Pas la moindre idée de ce que tu parles. Tu vas voir. Bon, c'est nul, hein, foudre plus. Ne pas écouter Groudon Vert. Je note sur mon post-it. Ouais. Du coup, on va partir avec du soin. En gros, ce que j'ai envie de faire, c'est avancer dans le donjon, ouvrir tout ce qui est coffre et tout ça, tout ce qui est route alternative. Et au bout d'un moment, me téléporter en dehors du donjon. Partir en ville, me soigner pour régénérer tout ce qui est mana, surtout. Et refaire le plein de potions. Et revenir, mais du coup, là, faire la route tout droit. Comme ça, on sera content. Faire le donjon en plusieurs fois, quoi, finalement. Ça gagne des niveaux, mais pas des niveaux de job. Couteau volant. Y'a pas de route normale. Ah, mais la route qui descend, quoi. Harpe de Loki. Lien de diamant. Alors, il y a des trucs intéressants qui sont tombés. Genre la cote de diamant. Typiquement. Ah, le lien de diamant, je peux pas le mettre. Ah, lien de diamant. Ah, c'est marrant, un truc juste pour mage qui s'appelle comme ça. C'est pas banal. C'est un donjon où le seul but c'est de récupérer des objets. Oui.
Et t'as bien une route à suivre pour descendre, tu vois. Genre le premier étage, tu vois, j'ai fait le tour et après je descends. Tu tapes tellement pas fort avec ton chevalier. Non, mais après, par exemple, Ingus tape plus fort parce qu'il a un marteau et les marteaux sont électriques. Et les ennemis sont vulnérables à l'électricité. Mais après, c'est le but d'un chevalier, hein. C'est de défendre, pas d'attaquer. D'où le nom de la compétence défendre, d'ailleurs. Avec deux armes, tu taperais plus fort. Certes, mais du coup, je tankerai moins. Queue de phénix. Oh, ça, c'est bon, ça. Ah, des bâtards. Tup, 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 tup. Pouette, 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 pouette. Même pas mal. Même pas mal. Et voilà, en un tour, tout est mort. Élixir. Gant de diamant. Alors ça, c'est, par contre, c'est de l'armure. Voilà. Toi, tu récupères les liens puissants. Yes. J'aime bien cette grotte. Épée antique. Yeah. Inflige paralysie. Alors, ça tape beaucoup plus fort, mais il n'y a plus le vol de vie. Mais bon, c'est pas grave. Attaque anticipée. Ah, ça, c'est bon, ça. On va voir. Par exemple, lui, il tape à 1300. 675 avec une seule arme. Ça passe, franchement. Oh, Ingus, il a pile poil 995. 99. Il y a des armes tellement plus puissantes que la lame de sang. Mais je n'en doute pas. En même temps, la lame de sang, même là, j'ai trouvé une arme meilleure. C'est le principe. Je sais bien que. Forcément, tu me dis. Hey, il y a mieux que. Il y a mieux que l'arme que t'as trouvée au début du jeu. Bien joué, Sherlock. Écu de diamant. C'est quoi le truc que j'avais trouvé? Je sais plus. Groudon! Ça, c'est du spoil par contre. Casque de diamant. Bon, du coup, oh là là! Il y a un passage secret. Mais où est-il? T'es au bout de la grotte pour ça? Bah tant pis, si je le loupe, je le loupe, c'est pas grave. Imagine que c'est comme si je jouais, mais chez moi, tout seul, sans personne, sans rien. Tu vois? Je l'aurais loupé. Bah c'est pas grave. La différence. Mais il loupe des coups, Ingus. Pas terrible. Toutou. Ah tiens, FX me suit sur Twitter. Du coup... Sage secrète, c'est mort. Plus si ça se trouve, tu me mens.
Pouette, 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 pouette. Oh, pouette. Ça me fait penser, ouais. AMV qui abanne un de ses subs pour spoil sur GeoGuessr. Bah oui. Mais ça, c'est pareil, genre quand je regarde les streams de Antoine Daniel, les gens se sont obligés de dire « Eh, c'est telle ville !» Mais nique ta mère. Genre, le principe, c'est que les gens jouent au jeu. Si le but, c'est juste de suivre... par exemple, là, c'est comme si je suivais le guide du jeu, quoi. Genre, ouais. C'est pas fun. Tout comme là, par exemple, dans le cas de GeoGuessr, bah en soi, tu tapes Google Maps et tu vas voir la ville en question. Si c'est ça serait aussi rapide. Le but c'est de deviner où on est. Bah là c'est pareil. Oh, un vent arctique. Ça sert à rien. Bon, y a rien ici. Je connais pas GeoGuessr. En gros, le principe de GeoGuessr, c'est t'as des lieux prédéfinis sur Google Maps. Toi, t'es en vue Street View. Et en gros, donc tu peux te balader en Street View et tu dois deviner où est-ce que tu es. Et plus t'es proche du point, plus t'as de points, et le but c'est de faire 25 000, donc c'est découvrir 5... Enfin, enchaîner 5 destinations, à plus ou moins, je crois c'est dans 400 mètres, je crois. Et t'as... enfin, t'as des lieux n'importe où sur la map, quoi. Mais ferme-la, putain, bordel de merde! Je viens de te dire, ne dis rien, fais comme si j'étais tout seul à jouer dans mon coin, et tu me redonnes une info. Genre, quand j'ai besoin d'infos, je le demande, comme tout à l'heure, en mode... Où est-ce que je peux aller pour ne pas me faire écraser la gueule? Là, dans ce cas-là, oui. Je peux répondre. C'est honteux. Sachant que Nick, hein, si je le trouve pas là, en faisant le tour, je vais pas tryhard en mode « Ah, je sais qu'il y a un coffre !» Quelque part. Comme là, je viens de faire le tour de la pièce... Ben Nick. Tant pis. Par là. De toute façon, j'aurais pas trouvé si j'avais joué tout seul tranquillement chez moi, donc... Anyway, c'est pas grave. Pam, 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 pam. C'est pas smart ce que je fais, je lance le sort sur le même ennemi. J'aime bien quand il tape Lunes. J'adore quand les ennemis ils tapent à 1. Alors que quand il tape Maurice et Refia, par contre j'aime moins. Allez, ça dégage. Putain, ces mobs ils me font penser à Gary. Vous savez, l'escargot de Bob l'éponge. Avec ses petits yeux comme ça. Allez hop, on se casse. Et on va aller se soigner à Amur. C'est beau l'Amur. C'est par là. Les escargots se ressemblent tous après tout. Ouais, mais bon, là, c'est pas un escargot à la base. Alors que les pompiers passent. Dommage.
Bonjour. Merci. Oh, je vais pouvoir vendre toutes mes merdes. Les trucs de barde, les griffes, trucs du genre. Bon, maintenant, il me faut une nouvelle destination. Nouveau lieu de vacances. Vendre. Ça, je peux le vendre. L'écu, je peux le vendre. Ça, je peux le vendre. La harpe, je vends. Page de combat, je vends. Ça, je vends. C'est quoi ça? Ok. Griffe, je vends. Liane mithril, je peux les vendre. Veste de gala, je peux vendre. Code de feu, bah allez, on va les vendre. Ça, c'est vraiment trop vieux. Il y a plus de. Plus de stats de défense, donc on dégage. Ok. Et du coup, couteau volant. Je pense pas qu'il puisse l'équiper. Non, il peut pas l'équiper. Enfin, lunettes, pardon. Ça, je vais garder au cas où. Et l'épée sanglante. Je l'aime beaucoup, donc je la garde. C'est juste un souvenir. Bordel, tu laisses les gens parler 5 minutes sur FB. Et quand tu reviens, vous avez 147 messages non lus. Ah, je tenais à partager ce moment. Je peux t'en donner une. De destination ? Oui, oui, oui. Quand, justement, quand je demande une destination, c'est le moment où il faut répondre. T'en fais pas, tu vas réussir à suivre. Hop. Susaronia. Susaronia. Le donjon est plus difficile. Tu parles du donjon. Bah. Le donjon où j'étais tout à l'heure. On peut pas aller là-dedans. Je sais pas où je suis. Ah non, là c'est le truc avec les. Oui, ok. Faut que j'aille à l'est, l'ouest. Alors. Donc on va partir par exemple sous Saronia, c'est vraiment sous Saronia. Pas trop chaud. On va aussi partir du principe que je sauvegarde. En vrai, ouais, je pourrais sauvegarder, on va sous l'eau, mais. Hop. Non, c'est un autre. Je peux pas venir ici du coup. Catacombe. Ça a l'air bien. Alors, je regardais un peu. C'est quoi cette merde? C'est du caca? Si, si, si. Ah oui, d'accord. Des cyclopes. Voilà. Je sais pas leur faiblesse, donc on va tenter plusieurs éléments. 488. Calmez-vous. Ah, feu c'est mieux. Chaque arbre a perdu un œil. Effectivement. Du coup, sceptre de feu. Sceptre de feu. Et comme c'est le même sceptre, j'imagine trop. Le genre là, Réfia lance son sort. Elle le jette à Maurice. Maurice qui le prend et qui l'enchaîne derrière. Bam! What are you doing in my swamp? Les jobs augmentent, ça c'est bon ça. J'apprécie. Les montées de stats, tout ça.
Peut-être soigner un peu, pas une idée. Yes, j'ai fait un pas. Tu vas pas me dire que... Ils ont fait un pas, ils ont... Un ennemi énorme avec des tentacules. Tu le voyais pas avant, connard. Ah, les donjons à goût, il y a toujours ça dans les jeux. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Moi, je pense pas. Je pense même que c'est une belle idée de merde. Faudrait retrouver le premier jeu qui a fait un niveau dans les égouts. Et lui péter la gueule. Waouh, calmez-vous. Celui-là, il y en a même deux. Deux niveaux dans les égouts. En vrai, non, j'ai rien contre les égouts. C'est juste que c'est un peu monotone, quoi. Bah oui, deux, oui, en fait, oui. Parce qu'il y avait le truc avec Dalida. Alors là, ça monte. Ça, en vrai, ça serait mieux. Genre, la compétence du viking, c'est de pouvoir dire... Enfin, de pouvoir choper l'aggro. Le mieux encore, ça aurait été de pouvoir rediriger l'aggro sur un allié. Comme ça, je mettais tout sur Lunes. Et il pouvait se défendre. Et là, ça aurait été parfait. Parce qu'en soi, tu vois, il va voir l'adversaire, il fait... il a dit que t'étais un fils de pute. Comme ça, il l'aurait attaqué, et puis voilà. Mais non. Oh ben, bonne route. Cross Golem. Je l'ai déjà, ça, je crois. Ouais, ouais, elle est là. Bah, en vrai, du coup... Faudrait que je revende les vieux bâtons, par contre. Vu que j'ai des nouveaux. Cloche runique, Osef. Écu, Égide. C'est mieux. On garde. Ça vaut pas le coup. Pas de trucs qui brillent. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont abandonné cette histoire de trucs qui brillent. A tel point que même là tout à l'heure, c'est le PNJ qui a dit bon, faut appuyer sur tel truc. Pipapoum. 1600 XP à chaque fois, c'est pas mal, je pense. Sachant que je le tue en un tour. I guess it's pretty okay. Côte miroir. Ah, c'est moins bien. Et lui. Moins bien. Désolé, je me suis trompé. Il n'y a que deux donjons annexes accessibles avec ce vaisseau. Ok, pas de problème. Du coup, après celui-là, j'ai fini. Il faut que j'aille dans le donjon de ses morts. Je vois bien le PNJ. Bon, les pécores qui ont jamais touché un RPG, si tu touches le truc là-bas, il se passe ça. Allez, salut. Ah, en vrai, tu vois, genre, t'as des éléments du décor qui brillent, tu vois, quand tu zoomes. Sauf qu'il faut zoomer, quoi, et regarder l'endroit en question. Et au début, t'avais des objets cachés ou des trucs comme ça. Puis après, au bout d'un moment, ça a des pop, quoi. Donc là, ils s'en servent pour dire « Lol, il y a un passage secret, mais bon, par contre, je vais te le dire parce que sinon, tu vas jamais trouver. » Bon, par contre, c'est chiant. J'ai rien contre cet ennemi, hein, mais l'avoir tous les deux pas... Boum.
Bam. Genre là, y'a rien. Nick. Lourde lance. Je joue pas lance. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi cette musique d'ailleurs. Mais... Bon bah... C'est Odin ça. Qui ose troubler mon sommeil? Odin vous attaque. T'es dans Saronia, ouais. Bon, Odin, normalement, c'est l'invocation qui one-shot. Alors voilà. Bam! Bam! Yes, le focus. Qu'est-ce qu'un mec à cheval fout là? Sachant qu'on est sous l'eau. Voilà. Oh, il est tout rouge, il est pas content. Ouais, bof. En vrai, c'est pas ouf. Oh. Quoi? Oh, le pas de bol. Eh bien, une entrée depuis la ville pour accéder aux égouts. Ah, je l'ai pas trouvé, hein. Mouda, mouda, mouda. Mouda, mouda, mouda. Ok. Bon. Je vais faire ça. Non. Heureusement que c'est pas le dernier qui joue. Vie. Allez, vie en premier. Aïe. Aïe. C'est con ce que je viens de faire. Parce que Refia va plus avoir la vie en jaune là du coup. Bah yes. Ah si, elle a encore la vie en jaune. Oh bah c'est parfait ça. Défendre. Toi. Pas forcément besoin de soigner. Carapace. Ah je peux pas le faire sur... Le faire sur Ingus. Toi, Foudre X, c'était fort. Yep. Vie en dernier plutôt. Bah non. Pas du tout. Ah non, oui, oui, tu voulais. Oui, non, bah non. Bah non. Je voulais qu'elle soit un peu soignée. Mais c'est vrai que j'avais oublié le délire de la vie jaune. Mais tu vois, au final, ça passe. C'est ok. Ok, tire. Là, par contre, c'est la merde pour Ingus. Il manque un certain panache aux animations spéciales. Oui. Ou à l'inverse, des fois, t'as des petites cinématiques zoomées comme ça, au lancement des sorts. Mais l'action est nulle, tu vois. Oh! Est-ce qu'il attaque qu'en physique, Odin? C'est bien ça? Au final, je fais un soin plus sur Ingus. Oh, ça va, du coup. Il y a pire, mais il y a mieux. Oui. Tu peux dire ça pour tout. L'électricité, ça a l'air de bien marcher.
la regarde. Attention. Hop. T'as l'impression que c'est un truc de ouf qui va se passer. En fait, non, c'est juste qu'il brandit son bouclier. Bam. Bon, Maurice risque de mourir. Les combats sont trop lents. Bah, après, c'est du tour par tour. Hein. À partir de FF4, normalement, il y a le... Yes. Il y a le délire de... De jauge ATB. Qui dynamise le combat. Alors, défendre. Toi, tu vas lancer une queue de phénix sur Maurice. Toi, tu vas taper. C'est pas FF9, FF3 est plutôt rapide en comparaison. En comparaison de FF9, FF9 est plus rapide. Avec, à partir... Yes! FF9 est lent, très lent. On n'a pas joué au même jeu, je crois. Yes!